Je m'appelle Jean-Marie, je vais m'appeler bientôt Vanessa d'ici un an. J'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans le 11 juin cette année et je suis en pleine transition pour devenir une femme. On ne m'a jamais vraiment traité comme un homme, donc je ne peux pas dire que j'ai été vraiment un homme, même que je le suis vraiment à l'heure actuelle, parce que tout mon entourage me considère comme une femme généralement. Ou alors, pas totalement comme un homme. Le but, c'est de me sentir bien dans ma peau, c'est de pouvoir vivre pleinement ma vie, c'est de pouvoir me plaire dans le miroir, c'est de pouvoir être épanoui, de plaire aux autres et euh, surtout de retrouver la confiance en moi. Une confiance que j'ai perdue il y a quelques années, oui. Quand je me regarde dans le miroir, je déteste euh, voir ma barbe pousser, euh, je déteste voir tous les, euh, tous les aspects masculins de ma personne. Euh, me renvoyer euh, cette image de moi euh, qui est en complète contradiction avec ce qui est à l'intérieur de, de mon corps. Quoi. Donc euh, j'aimerais être plus en phase avec moi-même. L'enfant que je vois en moi quand je me rappelle euh, me touche déjà, parce que je me rappelle à quel point j'étais gentille. Euh, toujours souriant, toujours très positif, toujours envie euh, de jouer avec les autres, de donner ce que j'avais, même si j'avais pas grand-chose, mais euh, si on voulait un jouet euh, que j'avais, même si euh, je l'aimais beaucoup, euh, si quelqu'un me demandait de le donner, je le donnais euh, parce que je, je voulais qu'on m'aime déjà, et je me sentais vraiment petite fille, oui, je me suis toujours sentie fille, j'adorais déjà les maquillages, euh, jouer au barbie avec mes cousines, avec euh, mes copines de l'époque. Euh, je ne jouais pas avec les garçons, ou alors très peu, euh, parce que dès l'âge de 6-7 ans, je sentais déjà cette différence, que j'étais pas du tout comme eux, et que j'avais plus envie de ressembler aux filles, donc c'était mes modèles. Alors je restais avec elles, parce que je me sentais plus en phase euh, avec, euh, avec elles, émotionnellement. Ça dépend, certains... Euh, Plaisanter avec moi parce que je mentais beaucoup quand j'étais petit. Je disais que j'avais toutes les Barbies du monde dans ma... <laughs> euh, dans ma chambre et que je ne pouvais même plus y rentrer tellement il y en avait. Et je racontais ça même aux garçons. Alors euh, certains disaient euh, Ah, mais moi aussi, euh, j'ai même le bateau croisière de Barbie, j'ai si j'ai ça pour essayer de me rendre jaloux. Et euh, d'autres, bien sûr, se moquaient de moi complètement, ouvertement. Et euh... Mais par contre, il n'y a jamais eu vraiment de grande violence. J'ai jamais été euh, tapé ni quoi que ce soit. Non, ça, ce serait un gros mensonge de le dire. Mais par contre, euh, beaucoup de moqueries, ça, oui. Et me, euh, me mettre à l'écart. À l'adolescence, euh, tout change complètement. C'est un gros chamboulement. Euh, je me suis retrouvé déjà face euh, à moi-même, seul, euh, sans personne qui me comprenne. Donc, du coup, ça a été difficile de me comprendre moi-même. Et euh, de trouver un équilibre dans tout ça, quand on est en plein développement corporel et, euh, et que c'est très difficile déjà pour tout adolescent de se sentir en phase avec ce qu'on est, physiquement, euh, émotionnellement, mentalement, de ne pas être compris. Ça a été vraiment très difficile, oui. Je me suis rasé les jambes dès l'âge de 13 ans. Euh, je me suis épilé les sourcils à l'âge de 14 ans. Ma mère m'a hurlé dessus. Euh, et puis j'ai perdu 20 kilos. Euh, parce que je voulais un, un corps de femme. Donc j'ai perdu du poids, parce que j'en avais pris un petit peu, bien sûr, quand j'avais 14-15 ans. Euh, j'ai perdu 20 kilos pour euh, avoir des formes euh, féminines. Et puis je faisais tout pour ressembler euh, à une fille. Je me mettais déjà du fond de teint euh, quand j'avais 15 ans pour sortir, parce que je voulais avoir une belle peau, toute fine, euh, et puis j'avais déjà des traits très féminins, donc je n'ai pas vraiment souffert en fait euh, de mon corps, parce que je ressemblais déjà beaucoup à une fille, et je me complaisais là-dedans. Euh, ma mère était une mère très protectrice, euh, maniaque ou dépressive, mais euh, elle m'aimait énormément. Quand j'étais petit, oui, euh, ça se passait très bien, parce que pour elle, euh, le fait que je mette ses talons, que je mette ses robes, euh, c'était rigolo, elle trouvait ça mignon mais après oui quand j'ai commencé à être adolescent et que je voulais vraiment mettre des habits de femme et euh, sortir comme ça de temps en temps euh, je pense que là elle a un petit peu mal pris quand même et elle s'est dit qu'elle avait peut-être raté quelque chose mais euh, je pense surtout qu'elle voulait me protéger par rapport au monde extérieur parce qu'elle savait que j'allais en souffrir pendant quelques années et que les gens allaient se moquer de moi dans ma vie et ça la faisait souffrir énormément parce que je pense que je lui renvoyais déjà l'image de moi étant adulte un adulte qui souffre et qui euh, et qui est moqué de tout le monde, et qui est différent, et euh, que personne ne comprend. <laughs> et elle ne voulait pas ça pour moi, elle voulait que je sois comme tout le monde. Donc, du coup, ça l'énervait. Euh, elle voulait à tout prix euh, me façonner à sa manière, mais moi, euh, j'allais euh, dans le sens contraire. Quoi. À un moment donné, j'étais très, très, très fatigué. J'avais perdu beaucoup de poids. Et euh, je sentais qu'à l'intérieur de moi-même, il fallait que je parte et que je fasse autre chose. Parce que dans ma petite ville de Salon de Provence, euh, il n'y avait pas d'avenir. Et euh, ma sœur habitait sur Pau, était militaire là-bas avec mon beau-frère et mon neveu. Et euh, je l'ai appelé en pleurs un jour et je lui ai dit écoute, il faut que je que je parte, je peux plus vivre dans cette vie, il faut que je recommence parce que si je reste là, je ne sais pas ce que je vais devenir. Et elle m'a dit mais bah, mon frère, prends tes, tes valises et viens à la maison, il y a une place pour toi. Et euh, du coup, de vivre avec ma sœur, ça m'a énormément apporté parce que ma sœur est quelqu'un de très aimante, de très gentille. Adorable. Ça m'a apporté beaucoup d'équilibre de vivre avec une famille qui se couche à une bonne heure, qui se lève tôt le matin, euh, qui m'a apporté euh, de la normalité, on va dire ça comme ça, par rapport à la vie que j'avais avec mes parents. Je me suis payé une formation d'esthétique, donc j'ai pu passer mon CAP d'esthétique. J'ai passé deux années formidables dans cette école. Euh, ma féminité à ce moment-là s'est développée énormément. Parce que je pouvais me maquiller, je pouvais me coiffer tous les jours. Euh, J'ai travaillé aux galeries Lafayette de Pau, j'y ai fait mes stages là-bas d'école. Et euh, lors de mon entretien euh, aux galeries Lafayette, la directrice m'a dit que je pouvais venir maquiller tous les jours et, euh, et coiffer, que c'était un lieu de mode et, euh, et avant-gardiste et que je pouvais euh, venir tous les jours comme j'avais envie. Euh, Tant que je faisais bien mon travail, bien sûr. Voilà. Donc du coup, moi, ça m'a réjoui de pouvoir euh, laisser, euh, euh, me laisser aller et pouvoir. Euh, j'adore l'art, j'adore le maquillage, j'adore pouvoir me coiffer euh, et me présenter de cette manière-là aux gens. Alors, moi, je voulais apparaître aux gens comme un homme féminin parce que je voulais faire croire aux gens que je m'acceptais dans mon corps, mais que euh, j'acceptais le fait d'être féminin. Alors, euh, j'avais un look androgyne. Comme à l'heure actuelle d'ailleurs, j'ai un look androgyne parce qu'en ce moment je suis entre les deux. Et euh, donc du coup j'adapte euh, euh, mes vêtements euh, à ce que j'ai à l'intérieur. Ça passait très bien, oui, parce que justement j'étais en phase avec moi-même. Je ne me suis pas mis de costard cravate ou euh, je ne me suis pas habillé euh, comme un bûcheron euh, alors que j'ai cette personnalité euh, très féminine. J'ai adapté euh, mon style vestimentaire euh, euh, à, à mon âme, quoi. Tout le monde en face de moi a parié si j'étais une fille ou un garçon. Euh, on m'a beaucoup ricané. Euh, oui, on s'est beaucoup moqué de moi, on m'a beaucoup insulté aussi. Mais euh, du moment où je sais que j'ai des gens qui m'aiment et que j'aime et qui me comprennent, je me dis que ça me sauve parce que je sais que l'humanité existe et donc du coup les gens qui sont méchants avec moi, je m'en fous. quoi. J'ai fait la rencontre d'un garçon qui s'appelle Léo, qui était magnifique. Euh, trois ans de moins que moi. Euh, il était dans les compagnons du devoir. Il m'a pris pour une fille dans le train. Quand j'étais un petit peu plus jeune, euh, j'étais encore, euh, encore plus fin et je ressemblais encore plus à une fille. Et euh, donc, du coup, je trompais euh, beaucoup le monde et je m'amusais avec ça. Ça m'amusait énormément de pouvoir euh, avoir les gens de cette manière-là. J'avais l'impression que c'était un pouvoir, un petit peu, de me faire passer pour euh, ce que j'avais envie d'être quelque part et que ça marche. Et je me souviens, il y avait même un peintre en face de nous qui nous a dit euh, :« Oh, vous avez l'air de deux amoureux, vous êtes trop beaux tout, euh, tous les deux, tout ça. » Et ça m'avait fait plaisir un petit peu. Nous sommes sortis ensemble toute la nuit, euh, on s'est embrassé, embrassé, euh, euh, en perdre haleine. Et puis euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui se faisait, ça a comme était un coup de foudre. Et moi, le moment où je devais passer à la casserole, entre guillemets. Et euh, j'en avais très envie, hein. mais je ne pouvais pas parce qu'il euh, pensait que j'étais une fille. Et euh, donc, du coup, euh, je l'embrassais, tout ça, et, euh, et il me dit euh, Ça va, pourquoi, euh, pourquoi tu continues pas Et je lui ai dit Je suis désolé, mais j'ai un problème de fille. Et il me dit Qu'est-ce qu'il y a euh, Je lui ai dit J'ai mes règles, donc je ne peux pas aller plus loin. <laughs> il s'endormit dans mes bras. Après, à la fin, je l'avais dans mes bras. Et là, ça m'a renvoyé aussi euh, l'image de ce que j'étais, et finalement, pas une fille. Alors que là, c'était impossible parce que lui, il n'était pas du tout euh, bisexuel, il était vraiment hétérosexuel, et euh, c'était impossible pour lui de sortir avec un homme. Alors les situations les plus agréables que j'ai eues euh, en me sentant vraiment moi-même en, en tant que femme, c'est quand je faisais mes, euh, mes spectacles transformistes dans le cabaret, euh, la station des artistes située à Pau. Et euh, du coup, j'ai vraiment pu m'épanouir euh, parce que j'ai pu essayer euh, toutes les robes possibles, inimaginables, tous les costumes euh, qu'on puisse rêver. Parce que le, euh, le patron de ce cabaret avait un gros dressing room avec euh, plein de costumes euh, pailletés, de toutes les couleurs, plein de robes. J'ai tout essayé sur scène devant euh, des gens. J'ai pu essayer tous les talons parce que quand on, est, euh, quand on a envie d'être une femme, euh, je pense qu'on aime beaucoup les talons, les chaussures de femme et on a envie de tester tout ça. Et, euh, et moi, je ne le faisais pas dans ma vie de, quotidienne avant parce que j'ai toujours cru que c'était des personnes bizarres euh, euh, qui faisaient ça en cachette, euh, de mettre des talons en tant qu'homme et puis de se cacher ou de, de déambuler dans les rues. J'ai toujours trouvé ça bizarre, moi je ne voulais pas être bizarre comme ça. Et du coup, faire des spectacles, pour moi, je me suis dit « Ah ben voilà, je fais des spectacles, je peux, euh, je peux essayer des talons, j'ai une raison, une bonne raison de le faire. » Donc du coup, je, je me suis vraiment épanouie, euh, me maquiller, euh, des perruques, des extensions, euh, de nombreuses couleurs de cheveux. J'ai changé plein de fois de visage, je me suis vue dans plein d'angles différents euh, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Et euh, beaucoup de gens... Euh, M'ont fait du bien en me disant Tu es belle, tu es magnifique comme ça, tu devrais t'assumer, tu devrais être une femme parce que vraiment tu as une beauté incroyable. Ça me faisait du bien d'entendre ça, même si dans le fond c'est peut-être pas vrai, je sais pas, mais ça m'a apporté énormément de le faire. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas l'image que, que j'ai envie qu'il me renvoie. Et en tant qu'homme, je ne veux pas être un homme, donc du coup, je me trouve très laid. En tant qu'homme, je ne m'aime pas du tout euh, comme ça. Hein. Donc du coup, quand je, je veux m'apprêter en femme, je veux être au maximum de ma beauté, je veux être vraiment belle. Hein. Donc euh, du coup, j'y mets les formes. <laughs> j'ai la trentaine, je pense que j'ai la maturité euh, euh, et le bien-être dont j'ai besoin pour pouvoir faire cette, cette transition euh, du mieux possible. Il faut que je prouve. Il faut que l'on prouve à la société, donc au psychiatre, que l'on n'est pas dépressif, que l'on ne veut pas mettre fin à ses jours, que l'on n'est pas comme sa maman, euh, ou comme le reste de ma famille, du côté de ma mère d'ailleurs. Ils sont quasiment tous dépressifs. Euh, je dois prouver que je suis euh, bien dans mon corps, euh, bien dans ma tête surtout. Parce que bien dans mon corps, non, mais que je suis bien dans ma tête et assez en contrôle pour savoir ce que je fais. Parce que c'est quand même euh, une opération lourde. Je vais quand même euh, amputer une partie de moi-même, entre guillemets. Et euh, il faut que ce soit complètement consentant et, euh, et que ce soit pour rendre ma vie plus heureuse. Donc j'ai voulu reprendre mes études parce que pour moi, quand j'étais adolescent, j'étais dans la noirceur jusqu'à l'âge de, euh, de 22 ans. Euh, pour moi, j'étais... Pas vraiment moi-même. Euh, entre mes 14 ans et mes 22 ans, j'étais dans une espèce de spirale infernale où j'ai fait plein de bêtises. J'ai raté mes études. Euh, j'ai euh, foutu mon, mon adolescence en l'air parce que moi, je me sentais pas bien du tout et que j'avais des parents euh, complètement dérangés et euh, que j'arrivais pas à me construire. Et euh, le fait d'avoir perdu ma mère, ça m'a énormément euh, touché parce que je l'aimais beaucoup, 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 beaucoup. Elle m'a offert euh, le jour de mes 17 ans une carte postale avec un poème et euh, il était écrit dessus euh, « Recommence ». Et je me suis dit c'est ça qu'elle voulait et, euh, et c'est ça qui est bien pour moi en fait. Parce que je sais que, que tout ce qu'elle voulait c'était euh, que mon bien quelque part et moi tout ce que je veux c'est mon bien aussi. Je suis fatigué euh, parce que j'ai fait énormément de choses déjà jusqu'à maintenant. Alors oui, je ressens de la fatigue un petit peu mentale et physique, mais au-dessus, alors je ne sais pas pour, euh, pourquoi je ressens ça, mais au-dessus, je sens que j'ai une force incroyable euh, qui m'aide à passer à travers cette fatigue et qui me donne euh, beaucoup d'énergie et, euh, et qui me dit tu vas y arriver. Et déjà, avec tout ce que j'ai accompli derrière et que j'ai réussi, je me dis que maintenant, euh, le meilleur est à venir et que j'ai fait le plus dur. J'ai fait toutes les euh, toutes les démarches pour devenir une femme. J'ai fait euh, toutes les démarches pour être à l'université, pour être boursier, pour euh, pour travailler. Donc tout est en ma faveur en ce moment. Euh, euh, J'ai réussi à faire en sorte que euh, que tout s'enclenche quoi. Donc là maintenant, euh, il est hors de question que je lâche quoi. Je vais jusqu'au bout. Et euh, dans tout ce que je fais maintenant, je veux aller jusqu'au bout. Je pense que c'est un, un outil très important le témoignage pour, pour que... Justement, pour se rendre compte qu'on euh, n'est pas tout seul et qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça, et qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, et que euh, moi aussi j'ai été au refuge et c'est pas la fin du monde. Et, euh, et voilà, en fait, euh, le témoignage, c'est essentiel pour... Euh, euh, parce que euh, quand j'étais plus jeune et moins, moins, moins solide dans, dans moi, dans moi-même, euh, et que je regardais des, même des séries, même des L words hein, euh, ça me faisait du bien de voir que je suis pas la seule euh, euh, et que euh, je reconnais. C'est pas le, le ah je suis pas seule. En fait, il veut dire. Mon problème, il n'est pas individuel, en fait, il est, il est systémique, il est collectif. Donc, ce n'est pas moi le problème. C'est que je suis inscrite et que je me situe dans un système qui m'opprime. C'est pour ça, en fait, que j'ai un problème. Et c'est pour ça que ce que je dis, c'est très politique. Moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 17 ans. Et euh... je suis partie, j'étais dans un lycée très, très élitiste. Je devais aller en classe prépa, je devais faire une école d'ingé, j'étais très bonne, j'avais toujours été excellente à l'école, etc. J'étais très hétéronormée. J'étais, euh, je m'intéressais pas du tout à tout ça. Je vivais pour pour être productive dans la société euh, capitaliste, euh, voilà quoi. Avoir un travail et tout être triche. Arrive les manifs pour tous. Je commence à descendre dans la rue euh, avec mon mégaphone, avec mon magnétophone. Je commence à interviewer des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Euh, qui sont partis en bus avec le curie du village et ça fait des vacances et c'est cool, on a, a l'impression d'aller au ski, <laughs> voilà, ou euh, qui sont là parce que euh, bah, sinon euh, on va pouvoir baiser avec des chiens euh, et se marier avec des chiens, bon n'importe quoi. Je, je ne trouve aucun, aucune personne qui a un argument et donc euh, je commence à repérer quelques contre-manifestants et je me fais attraper dans les filets de, de, des, des militants et, euh, et je découvre le, le, le militantisme féministe. Et lesbien. Et au même moment, après je découvrirai le queer, après je découvrirai les luttes trans, après je découvrirai les travailleuses du sexe, etc. etc. Mais genre à ce moment-là, je découvre juste le féminisme et le lesbianisme. Je suis épuisée par les manifs pour tous parce que psychologiquement, même si c'est pas parce que j'allais tout le temps contre-manifester, hein, je ne contre-manifestais pas tant que ça, un peu, mais je le faisais parce que ça me faisait du bien, parce que j'en pouvais plus, de voir ces affiches partout, ces tags sur les murs, c'était psychologiquement, mais épuisant. Et je découvre une communauté qui me soutient. Et là, je découvre l'empowerment, en fait. Le fait d'être à plusieurs, de se regarder, de se parler, et de se dire... Mais moi aussi, je vis ça, et moi aussi, euh, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que ce n'est pas individuel. Peut-être qu'il y a une autre façon de gérer ses problèmes, qu'il ne soit pas individuel, euh, euh, tout seul chez toi, tu ne parles pas de tes problèmes, il n'y a pas de problème, euh, tu ne parles pas de tes problèmes aux autres, voilà. Et qu'il soit au contraire, parce que qu c'est très capitaliste de vouloir euh, garder à l'intérieur de soi euh, tout, et euh, de ne pas emmerder les autres avec ses problèmes. Et le fait, enfin en fait, je découvre un milieu qui me propose de s'occuper les unes des autres et les uns des autres ensemble. Et donc voilà comment je découvre l'Empowerment. Le donc c'est une période ouais, où j'ai besoin de soutien. C'est le, le soutien en fait, l'Empowerment, pour moi. C'est le soutien et le soutien qui apporte, euh, qui apporte une force. Euh, ma définition du genre, elle est butlerienne. Euh, elle paraît très théorique comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je la vis, notamment avec euh, le Drag King. C'est pour moi euh, l'improvisation d'une performance euh, sur une scène de contrainte. C'est-à-dire que euh, si euh, je suis prof et que je rentre dans une salle, je ne vais pas performer le même genre que si je suis euh, fille de mon père et que je vais euh, à un dîner de famille ou que si je suis euh, prévue comme, euh, pour un show de drag queen ce soir ou euh, voilà si je vais à un date euh, avec... Euh, une personne qui me plaît, et etc, etc. Donc, selon la scène de contrainte, je vais improviser une performance. Les fois où je suis un peu triste ou euh, où euh, je me sens un peu faible, euh, par exemple, je vais performer une féminité plutôt hétéronormée, de façon à être assez transparente et invisible, que, les que mon lesbianisme soit invisible et euh, que euh, mon identité de genre queer soit invisible aussi, pour euh, passer. Euh... <laughs> Sans problème dans le monde hétéronormé et, et pas avoir de soucis. Donc, parce que c'est une scène de contrainte qui. Donc c'est en fonction d'une scène de contrainte et aussi en fonction de moi, comment je me sens. Si j'ai envie d'être. Euh, si je me sens la force de, de provoquer ou si je me sens la force euh, de, de faire ce que j'ai envie de faire ou si je m'en sens pas la force. Si euh, on reprend l'idée d'un archipel de genre, euh, selon les termes, je crois, d'Elsa Dorlin, euh, ça permet une créativité et une invention de genre beaucoup plus grande et ça permet aussi de, 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 visualiser, le genre, de visualiser le genre plutôt en 3D, ce qui pourrait, ce qui pourrait correspondre plus à la théorie queer aujourd'hui qui a un peu du mal à, à rentrer en France euh, dans ce pays républicain qui, qui nie euh, les différences et qui prône l'indifférence aux différences et donc euh, on ne peut pas... Euh, euh, détruire la bicatégorisation du genre euh, par la multiplication des identités de genre. Euh, j'ai découvert euh, mon identité par euh, la politisation parce que avant ça, je ne me posais pas de questions. J'avais pas les yeux ouverts quoi, et donc je me voyais pas et je ne voyais pas mon identité. Et c'est quand j'ai été politisée que euh, j'ai pris conscience de que d'où venaient mes problèmes. Voilà, donc mon identité, elle est politique parce que je la conçois pas autrement, parce qu'en soi, en moi, je me sens pas, elle est pas essentielle en fait. Donc elle ne peut être que politique, puisque je me sens pas femme, je me sens pas lesbienne. Pour moi, le lesbianisme, c'est vraiment quelque chose qui existe quand on le dit. Quand on sort du placard, en fait, sortir du placard, c'est sortir du placard constamment. C'est le dire et le redire et le redire et le redire. On le dit pas une fois, le outing, c'est pas quelque chose qui se fait une fois, c'est quelque chose qui se fait constamment. Enfin, quand on a envie d'être visible. Et euh, mais sinon dans un ressenti un peu plus essentialiste euh, enfin essentiel quoi en moi quand je suis chez moi toute seule chez moi toute nue euh, dans mon lit euh, dans ma vie dans, mon, dans ma cuisine je suis pas euh, une femme euh, une butche euh, une femme une lesbienne euh, etc je, je, je suis un être humain en fait voilà moi je peux je je, je, je peux le cacher quand je suis un peu fatiguée un, je, je peux me déguiser en hétéro euh, en fié <laughs> hétéronormé euh, mais euh, quand je suis visible, ce qui, est quand même, ce qui arrive quand même souvent parce que c'est aussi quelque chose que j'aime. Comment je me situe par rapport à elle C'est censé être une femme, elle ne se comporte pas comme une femme, elle n'est pas habillée comme une femme. Je suis un homme, je, je, je sais comment me comporter avec une femme, je sais comment me comporter avec un homme. Je ne sais pas comment me comporter avec ça, elle me sort de moi-même là en fait. C'est ça le truc, c'est ça l'insulte, elle vient de là. Elle vient d'une violence que je leur fais. C'est pour ça qu'on dit semer le trouble dans le genre. C'est vraiment sortir les gens d'eux-mêmes quoi. C'est ça qui se passe, c'est que l'identité, euh, c'est quelque chose euh, qui n'est pas essentiel à mon sens. C'est quelque chose qui est euh, assigné par quelqu'un sur moi et que je vais ou valider ou rejeter. Euh, le passing, c'est l'idée euh, de rentrer chez soi sans tache de sang sur sa chemise. En gros, on sait qu'on passe quand on rentre chez soi vivant. Ouais, je sais que j'ai pas un passing de fou. Quand je me tracking, et je le cherche pas, d'ailleurs, euh, j'ai pas trop envie, j'aime bien le genderfucking plutôt, le dragfuck. Euh, à mon sens, c'est euh, soit, euh, uti soit utiliser les codes, les, codes féminins, les codes de la masculinité et les codes de la féminité et les accumuler, les, les utiliser, les mélanger, machin, soit inventer de nouveaux genres. L'insulte lesbienne, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est profondément sexiste en fait. C'est le patriarcat qui tape deux fois. Quand je me, quand je performe une masculinité qui trouble le genre, on n'est pas violent avec moi. On me regarde, euh, on me regarde euh, un peu en souriant. Euh, on s'amuse à me draguer bizarrement. Enfin euh, voilà, ça provoque des réactions rigolotes, euh, euh, violentes. Euh, bon, traite de pd, euh, C'est un compliment pour moi, donc euh, c'est pas très grave. Je dis, on va pas vouloir me casser la gueule. Alors que quand je suis euh, quand je tiens la main d'une fille, enfin euh, d'une personne assignée femme, enfin bref, quand je tiens la main d'une lesbienne et que je suis visiblement euh, euh, assignée femme, enfin bref, qu'on me prend pour une lesbienne quoi, là par contre on me casse la gueule, ouais. Il y a beaucoup de personnes euh, qui se drag king ou qui se drag queen euh, ou qui se drag fuck qui disent que ce n'est pas politique. Euh, et euh, d'accord, moi ce que je fais c'est politique dans le sens où. Euh, euh, c'est une performance exacerbée de genre euh, pour montrer que le genre est une performance. Euh, si je fais un show, oui, ça va être euh, regarde, euh, euh, je suis en train de jouer euh, ton hétéronormativité, euh, ton identité de genre euh, euh, féminine euh, euh, inscrite dans un. Voilà, hétéronormative quoi, et, 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 je le, et je le performe, et, et, et c'est possible, c'est performable en fait. Donc peut-être que tu le performes aussi si c'est performable. En fait c'est dire, tu, regarde c'est performable ce que tu fais. Si je fais un atelier, euh, si je fais un atelier euh, avec des gens, avec des personnes, ça va prendre 4 heures, 5 heures plutôt Disons 4 heures à l'intérieur, dans un espace euh, plutôt intime, genre chez moi, en général. Euh, puis il y a une sortie dans l'espace public qui dure, euh, on essaie de limiter genre 30 minutes, parce que là, c'est euh, un peu dangereux quand même. Et qui, dans l'idèle, se termine par euh, une soirée plutôt queer, plutôt faite pour cet atelier. Euh, pour être dans un espace un peu safe euh, comme on peut. Et puis un retour à l'appartement pour un débriefing sur ce qui s'est passé. D'abord, euh, on fait le bandage euh, du torse, euh, donc euh, de préférence avec un binder à sa taille. Euh, ensuite, euh, deuxième prothèse, euh, on fait les packings. Donc, les packings, c'est. Euh, on va prendre. Euh, on n'est pas obligé de les faire d'ailleurs. Mais euh, moi, ce que j'utilise, c'est par exemple euh, une capote avec euh, du coton ou alors euh, un bas nylon. Après, on s'habille. Après, on, utilise, on passe aux prothèses pour le visage. Donc, euh, moi, j'aime bien utiliser euh, de l'ombre pour euh, euh, vraiment remodeler le visage. Euh, et euh, j'aime bien utiliser du mascara pour euh, utiliser euh, les poils qui existent déjà, le duvet qui existe déjà, parce que du coup souvent ça va bien aux personnes. Et souvent quand, enfin euh, systématiquement en fait, quand elle se voit devant le miroir, pre première réaction c'est waouh je suis trop beau, euh, je suis super canon. Euh, même les hétéros hein, c'est genre les hétéros, je suis super canon. Il en... y en a une qui m'avait dit je suis encore plus sexy que mon petit copain. Bref, <laughs> c'était marrant. Euh... De première réaction en général, c'est hyper empowerant comme ça. Un, y a un, après, il y a un truc de waouh, moi aussi je peux exister en tant qu'être humain, uh, full human being, quoi, genre euh, entièrement humain, parce que euh, l'humain, euh, on l'entend comme euh, étant un masculin. Et enfin, euh, dans là, les représentations sexistes qu'on s'en fait. Et donc, c'est un peu waouh, wow, moi aussi euh, je suis plus une moitié, quoi. On se met devant devant nos, 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 nos incompréhensions, nos problèmes et notre sexisme intériorisé qu'on se fait à nous-mêmes hein, en faisant ça. C'est hyper intimidant. Euh, les personnes ne se connaissent pas en général. On arrive dans une intimité très forte. Euh, on fait le, le bandage seins ça se fait collectif. Enfin, le bandage de torse, ça se fait collectivement ou pas, mais en général, ça se fait collectivement. On se retrouve à poil devant des inconnus. Enfin, c'est fou. Et puis, on sort dans l'espace public et là, et c'est hyper éprouvant ça. Il y a une espèce de puissance qui sort de ça ou. Et en plus, on fait ça, on, on sait très bien qu'on trouble qu le genre. On sait très bien qu'on va, trou, qu va troubler le genre dans la rue en faisant ça. Et on veut le faire. Et on est excité par ça. Mais on sait que c'est dangereux aussi. Et on sait que ça va être des réactions bizarres. Et violentes, potentiellement. Et la violence, on la sent, elle est sous-jacente. C'est fou. Quand je suis en king seule dans la rue, ça va. Quand je suis en groupe, gender fucking, c'est ça, c'est fuck le genre, en fait. Genre, maintenant que j'ai performé cette masculinité-là, euh, euh, quelle que soit celle que j'ai choisie, euh, 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 je, en fait je m'en fous et en fait je suis dans cette soirée et en fait je m'en fous et en fait c'est drôle d'avoir une barbe et c'est drôle là que je sois comme ça et je m'en fous je l'enlève il y a, y a une espèce de ouais de, 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 de gender fucking qui se passe quoi et ensuite retour euh, dans l'espace euh, premier ou euh, débriefing et là il euh, y a beaucoup de pleurs de ouais c'est puissant If you look at society and societal norms and rules, uh, you have to say that gender is binary, basically. Because the binary, the fact that the, there are two boxes, basically, and that you have to fit in, you have to be either one or the other, this is what we find uh, in uh, our culture. I would say that gender is a social construction. And by social construction, I mean that it's not natural. Gender is. Um, a series of uh, things that we associate with biology. So, typically, when a person is born, um, we assign that person into a sex category based on their genitalia. And then, based on that sex category, we make assumptions about what their gender is. So, someone who's born, say, with what looks to be a typical penis, we would say that person is a boy and then we would associate all kinds of things around boyness expectations about what boys can do relative to what girls can do clothes they can wear jobs they can have relationships they should aspire to and a host of other social expectations all of those expectations are socially developed there's nothing that would say penis equals all of these say other things uh, what it means to be a man or a woman or femininity or masculinity uh, is by gender questioned uh, because gender says basically that uh, masculinity and femininity and being or, or a man or a woman is a kind of an effect as a result of a certain kind of dressage of a social and cultural uh, education really, so that uh, there is no uh, fundamental uh, truth about being a man or a woman. That, as a Simone de Beauvoir wrote many, many years ago, one is not born a woman, one becomes a woman. So it's this becoming a woman or a man that shows how, uh, uh, rather than a pure biological fact, being a man or a woman and what it entails to be a man or a woman are very much a question of uh, uh, conventions or traditions, cultural, social, and political. And uh, as they are social and political and cultural conventions, they can be questioned. And if people are discriminated against on the basis of those traditions and conventions, it is their right. To say no. Now, then to say that gender is a performance, certainly performing gender, that is, um, enacting in space certain things, whether it be the kind of clothes we wear, the gestures we have, the way we present ourselves, our voices, our haircuts, all of those things, those are what we would call um, codes. Codes that correlate to certain norms. So, for example, there's this norm around gender that boys should be masculine. And the codes of masculinity today in contemporary Europe and North America are short hair, um, strength, the color blue, things like that. So, in order to conform to the expectations, um, around the gender that we are assigned to, we perform using those codes. What, one of the things that we learned from studying how people engage in performances of gender is that rules around gender are policed men on one side, women on the other, masculine on one side, feminine on the other side. Um, this is not the case everywhere. In some cultures, you'll have a third gender. So, a whole other category. Uh, and in some cases, you will have um, a spectrum of categories, and people can move across them. And one could ask as a kid, oh, why just two? Why not three or four? Or why are those boxes called MF? Or uh, can I choose into which box I can live? Or can I change my mind and go from one box to the other? And if not, why not? So these are childish questions that, as many childish questions, pose many problems to adults. Gender fluidity in the case of, say, the United States or Canada or Western Europe um, is the idea that rather than conforming to these two binary boxes, some people may choose to refuse to fit into one of those boxes um, or may decide to move between those boxes as well or play with the codes associated with them. Fluidity means basically life, means that uh, nothing in life uh, is, uh, uh, is fixed, nothing is still. So fluidity means change, basically transformation. So some people uh, may have been assigned to one box uh, at birth and were raised according to the codes and expectations of one of the boxes and then realizes that that box does not actually, conform with how they feel about themselves and decide then to associate themselves with the other box that's typically what we might call um, transgender now that could be considered a form of say fluidity but i probably would not define that it that way instead that's moving from one box to the other Fluidity, I think, is more of a moving in between, perhaps placing yourself somewhere on a spectrum, and you can do that in a variety of ways. The thing about gender studies, particularly in France and uh, in, in the current political moment, is that it's still controversial. Um, in, I've taught gender in the United States, and it's much more um, mainstream. Um, so when I'm teaching to the students who are going to be um, secondary school teachers, I think one of my favorite things to do is to describe to them a scenario, um, and I give them an example of when I used to teach gender, uh, the sociology of gender, in the past. So what I would do in, in the typical setting is, if I have students for a semester, I just dress like this, which is the ordinary way I dress because it's professional. But then one day. Not announcing it, I'll come into class wearing earrings. So I have my ears pierced. Um, but I'm not just any earrings, right? Because men, if they want to project masculinity, they can wear certain kinds of earrings um, small, discreet. Whereas women can wear really huge, dangly earrings. So I have a pair of really huge, dangly earrings that I come into the classroom wearing and I'll act as if everything is normal. I'll look at them, I'll call the roll, I'll start writing on the blackboard. And the only thing different about me is these earrings that I'm wearing. And there's this palpable sensation of discomfort, a deep sense of discomfort. Because this person who has a beard, who's been teaching them in this way the whole semester, dressed in this way, suddenly comes in wearing earrings. They don't know what to make of it. So I raise my hand and I say, I'm uncomfortable. And then they feel welcome to say that they're also uncomfortable and i say that discomfort that's gender i think that the whole point of having a queer and gender uh, seminars or courses is to uh, spark some kind of debate the seminar has to be seen as a safe place basically uh, because otherwise we would reproduce uh, those conditions of violent speech or a violent argument that prevail you know outside sometimes it's not so much a matter of uh, uh, a safe space in order not to be the target of aggression, but also a safe space so that you are careful not to uh, exert violent with your speech violence with your speech on to other people. And we are here to kind of explore in a more critical way what it, you know common sense uh, you know speech says about those things. So. And the important thing for, for us is to use some material, which are texts to read or films to watch, that in fact um, kind of uh, stimulate discussion from other points of view. Gender is a system of hierarchy that creates imbalance in, um, between men and women. And whenever we question hierarchies in general in the classroom, people get upset. Right? So there's always going to be controversy around teaching issues that force us to look at how our society functions. La Manif pour tous and other conservative movements that have been around for some time, specifically the Catholic Church, um, have done a very good job of framing gender as a foreign concept, specifically an Anglo American concept. And as we know in France, things that are Anglo American are not neutral they're perceived in interesting ways in france sometimes in good ways but oftentimes in bad ways so if you want to um, say that something is bad you say c'est de l'américanisation right um, so if gender is américain then it's bad um, when in fact the concepts that help develop the theories around the social construction of gender are in part french like simone de beauvoir only to cite one but other folks as well for instance foucault helped contribute to these uh, lots of other scholars that are french the concept of gender especially mobilizing against gender has works um, to federate lots of different um, opposition groups in france that typically don't associate with one another but uniting under the banner of opposition to gender has been a very effective tool in the French context. So same-sex marriage is now legal in France and yet you still see people protesting against le gender, okay, and it continues to mobilize conservative movements even today and it's been exported um, to other countries. More recently I have written about the uh, uh, Sentinelle in Piedi in Italy, uh, which is a, a, a movement that uh, perform in silence in public, uh, a bit like the Veilleur de Bourg uh, in, uh, in France, and uh, that is a kind of a silent protest against, for example, uh, um, mariage pour tous or, or against uh, gender uh, education in the school. And what they do is just uh, stand up in a square and read silently from a book. So you can't say that they are doing anything violent or they're not even speaking against anyone. But I think that that was a, a good uh, example to me how uh, you can look at homophobia in action even when there are no words involved. Um, I would be really sad in a world without gender. Um but we have to think about what gender means. I what I don't like is and what I think is a problem is the rigidity with which people are required to live their lives and especially the violence with which that rigidity is enforced. To me that's the problem. And I don't think the solution to violence around gender is doing away with gender. I think it's combating violence and everything that comes through uh, the media, whether mainstream media, uh, you, you can uh, look at and kind of examine critically uh, in order to point out uh, uh, certain kind of uh, assumptions about gender or sexuality that actually work uh, in order to um, uh, kind of discriminate even subtly discriminate because the thing is that there's not just violent discrimination but there is a kind of a, those cultural assumptions that are taken for granted that actually discriminate against people in much kind of subtler but also very silently violent ways that if you don't conform to the gender presentation associated with your assigned gender that then you must somehow be gay or lesbian Okay, so for example, effeminate men or men who do things that don't conform with the codes of masculinity are gay, and that women who do things that don't conform with the codes of femininity are lesbian, which of course isn't true. Um, but because that's the stereotype, when say men, so like when I um, enact my gender in a specific way, people will make assumptions about my sexual orientation. Another example, in the United States, you never cross your legs like this. You cross your legs like this if you're gonna cross them at all, otherwise, you sit like this, okay? In France, a, a man can cross his legs like this and still be a man. I prefer to cross my legs like this because it's more comfortable for me, okay? But when I would do that in the United States, people would assume that I was gay. Suddenly, I could come to France, cross my legs like this, and not be automatically assumed to be gay. Because this gesture is not automatically feminine. I can remember very clearly when I was a child enjoying wearing dresses because they were comfortable. Um, and also, what I like about dresses is that when you spin around, depending on the kind of dress it is, it does this really fun thing. And I liked that a lot. And my parents let me wear dresses at home. And when I was about nine, and so when I wanted to start to wear dresses to school, and that's when it became a problem, because then suddenly my parents were worried about what was going to happen to me, and I think they were afraid that I would be hurt, you know, by kids at school, which was true. Uh, and so my mom forbade me to wear this dress to school. Uh, and it was a huge fight. And I'm a drama queen, so I was like, You hate me, I hate you, blah, 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 fine. And I took the dress and I threw it in the trash or whatever, something very dramatic. And um, that was that. Um, but it was sad, you know? The capacity to play with gender also depends on other forms of privilege uh, class privilege, the amount of money you have, um, racial privilege, uh, and other forms of privilege. So it's easier for some people to break the codes. Around gender than it is for others, but in fact, I think that democracy is not silent. The democracy is about hearing different voices. Is about like uh, even like dissensus. Maintenant, je me sens vraiment filé, quoi. Rien qu'avec les hormones, ça change complètement tout. Tout le monde m'a dit que j'avais pris la bonne décision parce que ça se voyait sur mon visage, que j'étais beaucoup plus lumineuse, etc. Et que je me sentais beaucoup mieux aussi dans ma peau, ça se voit tout de suite. Je pense que j'ai droit à un regard normal parce que euh, j'étais encore entre les deux et on me regardait vraiment bizarrement, que ce soit dans le tram, dans la rue, dans les restaurants, dans les bars, partout. Euh, que maintenant on me regarde vraiment normalement, je pense que les gens euh, m'identifient vraiment comme une fille parce qu'ils voient des seins, ils voient une, vo une police, ils voient des, euh, des cheveux longs, parce que j'ai vraiment envie de, de faire tout ce qui me plaît maintenant et d'aller jusqu'au bout et de penser à moi et de faire le, le meilleur pour moi-même. Euh, et puis me construire une super carrière professionnelle et puis tomber amoureuse, bien sûr, et garder euh, mon amoureux jusqu'à la fin de la vie. Je pense vraiment que je sais prendre des bonnes décisions pour moi-même. Et euh, ça, c'est important aussi de le savoir, que, que nous sommes la bonne personne pour soi-même aussi. Et mes sentiments ne m'ont pas trahi jamais, jamais de ce côté-là. Je pense que euh, la personne qui voulait être une fille à l'âge de 8 ans ou à l'âge de 6 ans et qui pleurait dans les bras de sa maman pour, euh, pour devenir une fille et qui regrettait d'être née au monde euh, dans, un, dans un corps de garçon, eh bien, c'est devenu une femme heureuse d'être une femme et, euh, et de bientôt pouvoir... Euh, cette opération pour enfin vivre ma vie normalement comme tout le monde. C'est avant tout qu'il faut bien se sentir bien dans sa tête, c'est euh, un must avant de s'engager dans une telle transition. Même avant euh, de commencer, moi je me sentais déjà très très bien dans ma peau, euh, je me sentais bien dans ma tête en tant que garçon. Après c'est sûr que euh, j'avais ce mal-être euh, de ne pas être une femme. Mais c'était le seul problème, le mal-être de ne pas être une femme que je traînais depuis ma naissance. C'est le seul et unique problème que j'avais dans ma tête. Et pour le résoudre, il fallait que je fasse cette transition. Je me suis réveillée le lendemain euh, de la prise d'hormones. Je commençais à avoir de, euh, les qui épouses. Donc on se regarde dans le miroir. Il faut que ça suive aussi le mental. Il faut être sûr de soi. Parce que moi, je me voyais déjà avant dans ma tête avec des singes. Je, je m'imaginais complètement. Euh, j'avais une idée de ce que j'allais devenir. Et je pense que le fait d'avoir fait de l'esthétique, d'avoir un certain sens de l'image... Euh... Ça y a beaucoup joué parce que euh, moi j'ai toujours aimé le, le côté euh, esthétique, le côté artifice aussi euh, sur les femmes et tout ça, ça m'a toujours intéressé et euh, ça me ça m'excitait. Ça donc du coup je me suis euh, inventé pendant des années euh, des images de moi dans ma tête de comment j'allais être. Donc le fait d'avoir des seins qui poussent et tout ça, mais ça ne m'a absolument pas gêné. Ça c'était en concordance totale avec euh, avec euh, mon, euh, mon être quoi. Certaines personnes veulent peut changer tout simplement d'identité ou être quelqu'un d'autre être une autre personne euh, pour recommencer sa vie en tant que quelqu'un d'autre mais euh, ça cest c'est la plus grande erreur euh, à commettre c'est à dire qu'il faut rester soi-même la personne que j'étais avant je la suis toujours aujourd'hui. Hein. Mais euh, je suis désolée, moi je ne suis pas malade, je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais été une détraquée euh, mentale ni quoi que ce soit. Je pense que la différence n'est pas une pathologie. Et être gay, être trans, être lesbienne, être euh, j'en sais rien, n'importe quoi pansexuel, euh, c'est normal quoi. Je, je veux dire, il faut s'accepter euh, tel que nous sommes. Et il faut que les gens arrêtent de dire que euh, parce qu'on ne connaît pas, c'est euh, des, des tarés quoi.